Salut, moi c'est Ludo. Alors ce week-end j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je m'en souviens même plus qu'est-ce que j'ai fait vendredi. En tout cas le samedi était bien rempli. On a même fait la fête. Le dimanche aussi, on est allé au Ace Café. Et je vais te montrer, c'est vraiment un endroit sympa. J'espère que ça va te plaire. On se retrouve à la fin de la vidéo. On commence cette vidéo samedi matin. Avec Timon, on s'est donné rendez-vous dans un lieu que j'ai déjà parlé. Et ben nous voilà encore aux Coyotes pour commencer notre virée et puis voilà, on va partir. Malheureusement Timon il a pris une moto de prêt, alors il a dû la rendre. C'est déjà l'heure. Il est parti direction Neuchâtel pour reprendre sa moto et me retrouver à un nouveau point. Bon alors du coup je viens tout seul mais là on est en train de partir à Saint-Aubin justement à une place qui est aussi bien connue, c'est le Stunt Zone. Bah, pour le reste on va essayer de voir justement des motovloggers, donc c'est une rencontre abonnée. Moi je viens, je suis un peu tout neuf, je vais vous montrer quelques vidéos surtout et puis voilà. Bon allez, direction le Stunt Zone. Cet endroit a été créé en 2005 avec Yves. C'est un bar mais aussi un garage qui rassemble plein d'activités par rapport à la moto et organise tous les mercredis des petites grillades. Ce bar est devenu le fief de tous les motards un peu foufou cascadeurs. En plus, rien de mieux de s'arrêter là-bas après une bonne virée. Les décors sont vraiment chouettes et on peut y rencontrer vraiment plein de motards. Yves, le patron, c'est un mordu de Ducati. On peut parler de moto avec lui pendant des heures et des heures et il peut te donner plein de bons conseils si tu vas partir en virée plusieurs jours. Et lui, c'est Maverick 159. C'est lui qui a organisé avec ses potes ce petit rassemblement. Il y avait vraiment beaucoup de motos, toutes catégories confondues. Voilà, ça se passe comme ça au Stunt Zone. D'habitude, il y a beaucoup plus de rupteurs. Bon, bah, tout le monde est parti. Nous aussi, on va partir de l'autre côté. Là, c'est vide. Voilà, aussi, ce week-end, c'est la fête à Timon. Donc on a préparé un petit truc, j'espère que ça lui fera plaisir. Je peux te montrer 2-3 trucs, et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. This is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Le lendemain, c'était un peu dur, mais il fallait se lever tôt pour reprendre la route. J'avais pas les idées en place, mais bon, un petit café et c'était réglé. Et hop, en moto Simone. J'ai dû rejoindre toute la bande. Il y avait Lionel, Swan, Derek et Timon. On est parti depuis Neuchâtel, direction Berne, pour se faire des belles routes dans le Mittelland. On
On est passé par le col du Schallenberg, vraiment un endroit sympa en moto, et on a continué notre route jusqu'à Lucerne. Arrivé au Ace, en fait, on n'était pas les seuls. Il y avait plein de motos, plein de cafés racers, c'était hyper intéressant. Il y avait vraiment des prépas de malades, des motos qu'on connaît même pas les noms. Et certains modèles uniques qu'on verra jamais ailleurs. On a visité et on allait manger un bon burger. On est passé au British Parts, le magasin du Ace, où ils vendent des accessoires motards de haute qualité. Et on s'est dit salut et merci pour ce long week-end passé entre potes. Nos chemins se sont séparés sur la route avec plein de souvenirs ce week-end. Et voilà, mon week-end est terminé. J'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je reviens vers toi la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai vraiment quelque chose de très très différent à te montrer. Et j'espère que tu apprécieras, parce que ça concerne pas exactement la moto. Mais on va s'y rendre en moto, c'est déjà pas mal. Ça sera quelque chose avec ma femme. Et on va sûrement marcher et découvrir un lieu, sûrement pour aller dormir en campagne, en montagne. Je sais, c'est différent, mais j'espère que ça te plaira. Alors,